Salut tout le monde, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo déception, une vidéo dégoûtée, une vidéo écœurée, une vidéo j'en ai marre, une vidéo. Voilà. Avec mes pingouins qui m'ont remonté le moral. Donc, qu'est-ce que c'est comme vidéo que je vais vous faire aujourd'hui? Tout simplement une vidéo pour vous dire que mon projet autour de la souris est abandonné. J'abandonne le projet parce que c'est un trop grand investissement de fonds personnels et toutes mes commandes sont perdues à droite à gauche. J'ai commandé pas mal d'objets qui soient en France et puis dans d'autres pays. Mais le problème, c'est que tout est bloqué. Tout est bloqué à droite, tout est perdu à gauche. Je ne sais pas où sont passés mes colis. On me dit qu'on les a envoyés. J'ai pas de suivi, j'ai pas de retour, j'ai rien. J'ai investi énormément de sous. Hein, j'ai investi pas mal d'argent qui devait venir. Mais bon, là pour l'instant, c'est mort. Les colis, ils sont perdus. Récupérer l'argent. Avec les litiges, ça va me prendre un temps monstrueux parce qu'ils ont des justificatifs d'envoi. Donc ça va minimum me prendre un mois, un mois et demi à récupérer l'argent si je reçois les colis. Et les colis, je recevrai peut-être dans 3 à 6 mois. Donc du coup, voilà, dégoûté. Et en France, les colis, bah, ils sont aussi un petit peu paumés à droite à gauche. Donc bon, voilà. Le projet est donc abandonné. Et puis de toute façon, je peux rien envoyer. Moi, j'avais prévu d'acheter et de vendre en parallèle, mais comme je ne peux rien vendre depuis un mois et que ça va durer, j'ai aucune rentrée d'argent. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Je vends pas, je gagne rien. Hein. Donc, du coup, c'est mort. Voilà, le projet est mort dans l'œuf. Projet d'un an, j'ai mis un an pour monter le projet, réfléchir, trouver les fournisseurs. Merci à eux d'ailleurs, à ceux qui m'ont suivi. Et puis voilà, après les vidéos de survie, je sais pas si j'ai vraiment envie de continuer. Ça me. Je sais pas. Je vais faire une pause. Je vais profiter des dernières semaines de confinement pour réfléchir. Je continuerai certainement à réuploader les vidéos. Je vous proposerai certainement des vidéos autour de Magic. Mais après, continuer les vidéos dans le domaine de la survie, je suis pas vraiment sûr de vouloir continuer. Voilà, donc je suis extrêmement déçu ce soir, je suis un petit peu dans la déception totale. Mais bon, je voulais vous le dire, hein, parce qu'il y a des personnes qui étaient au courant de mon projet, qui étaient intéressées, qui m'ont soutenu, que ce soit des viewers ou même des fournisseurs qui suivent la chaîne. Bon, maintenant, vous êtes au courant, les fournisseurs, je pourrais rien faire avec vous, hein, c'est mort. Et puis voilà, donc déception. Déception totale. Je sais même pas quoi dire tellement je suis déçu. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là. Une petite vidéo qui juste pour vous prévenir que le domaine de la survie pour moi, je pense que je vais pas continuer même en vidéo pour le moment. Pour le moment, hein, je reprendrai peut-être après. J'ai plein de stocks d'objets qui vont être certainement remis dans mes EDC et tout. Et puis après, je ferai peut-être un concours ou deux pour vous faire gagner des objets. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais pour le moment. Ah oui, et puis en plus, pour finir, dans les trucs merdiques, j'avais prévu de refaire des vidéos de War Thunder. C'est mort, hein, War Thunder, il me fait des écrans bleus sur mon ordi. Donc War Thunder, j'en ferai pas. Donc c'est bien, c'est vraiment une bonne journée de merde. Hein. Donc du coup, War Thunder, c'est mort. La boutique de survie, c'est mort. Mon futur boulot, c'est mort. Et voilà, donc très très mauvaise journée pour moi. Merci à ceux qui. Enfin, merci aux youtubeurs qui ont suivi ma chaîne, hein, autour du domaine de la survie. C'était cool. Voilà. J'ai jamais rien demandé à mes viewers. Même si vous mettez un pouce bleu et que vous mettez pas de commentaire, tant pis, hein, c'est pas grave, ça me gêne absolument pas, du moins que des personnes viennent voir mes vidéos. Bon, c'est tout. Hein. De toute façon, les vidéos survie, il y a d'autres personnes qui en font, qui les font certainement mieux que moi. On va dire que je vais m'arrêter là. Ça fait presque 5 minutes de vidéo. Je ne vais pas vous pourrir le moral. Le confinement est déjà assez compliqué pour beaucoup de personnes. Nous, ça va. On ne va pas trop se plaindre. Ça se passe plutôt bien. Et puis, il est déjà 21h11. Donc, je vais aller manger avec les filles. Ça me changera les idées. Et voilà, vidéo triste, décevante, et pas agréable, pourtant
J'ai eu un an de projet pour le monter, ce projet-là. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, hein, j'ai eu des grosses emmerdes dans le projet. J'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils me soutiendraient, qui ne m'ont jamais soutenu. J'ai eu des propositions à droite à gauche qui étaient sympas, mais qui n'ont pas abouti. Après, c'est tout le développement d'un projet. Mais bon, j'avoue qu'au mois de juillet l'année dernière, j'ai failli abandonner le projet. Parce que j'étais écœuré. Et là, bon, ben là, malheureusement, j'aurais peut-être dû arrêter au mois de juillet l'année dernière, puis me lancer dans d'autres choses. Ça aurait été mieux parce que du coup, j'aurais peut-être perdu un peu moins de fonds, de finances. Bon, ben c'est tout. On va laisser tomber, et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, pour l'instant, il y aura les vidéos qui seront en re-upload, et puis après, je ferai certainement des vidéos, repartir sur des vidéos no commentary, parce que, voilà, c'était sympa, j'aimais bien faire du no commentary, et puis un peu de jeux vidéo, une fois de temps en temps. Et puis la survie, bah, on verra bien si ça continue. Si vous êtes décidé, enfin, si vous êtes décidé, si vous voulez que je refasse des vidéos de survie, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous en ferai une paire, hein, quelques-unes de temps en temps. Mais pour le moment, je vais faire une pause. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci de suivre mes vidéos. Et puis, à très très bientôt.